Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne de Fort We Are Gamers. Cette fois, on s'attarde au cas de Sniper Ghost Warrior 3 qu'on va découvrir avec vous. On a reçu le jeu un peu en avance, ce qui nous a permis de faire cette vidéo pour vous présenter le jeu à sa sortie le 25 avril. Voilà, donc on a un embargo jusqu'à la sortie du jeu, donc elle ne verra pas le jour avant malheureusement. Mais voilà, on n'a pas encore touché au jeu et on va tâcher de découvrir ça avec vous. C'est parti, on va commencer la campagne. Alors, normal, je commence toujours mes jeux en normal. C'est comme ça que tu salues ton officier supérieur, soldat? Je savais que tu viendrais. Ah, j'allais pas passer mon dernier jour au pays sans voir mon petit frère. T'es nerveux? Non. Faut bien que quelqu'un gagne cette guerre. Je t'ai parlé mes bottes que je dégomme les 5 avec 5 balles. J'avoue que c'est tentant. Les combats à main nue font partie de ton entraînement, maintenant? T'aurais vu la tête de l'autre type. Ouais, j'y suis... Tu l'avais envoyé à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il avait fait, frérot? Peu importe. Si c'est à propos d'une fille, j'espère qu'elle en vaut le coup. Et souviens-toi, maman s'inquiète pour toi quand même. Ce sera toi l'homme de la maison comme moi je serai parti en Afghanistan. Ah, je sens déjà l'odeur du dîner d'ici. Et te méprends pas, on mange bien à l'armée, mais... Ah, oh, bon sang, qu'est-ce que je donnerais pour les bonnes ailes de poulet de maman? Tu te rappelles quand on jouait à cache-cache ici? Comment j'aurais pu oublier? T'étais vraiment nul. Je me souviens qu'une fois, on... Rob? Non, allez, Rob! Rob! Ok, frérot. Voyons si t'es fort. Bon, c'est parti pour le prologue. Après 2 minutes 30 de temps de chargement. Rob, au moins moi je sais faire la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal. Le système est truqué, frérot. Il y en a qui se font traîner dans la boue et d'autres qui se font porter au nu sans la moindre raison. Est-ce qu'on est forcément amer et solitaire quand on croit en rien? T'es vraiment le petit soldat parfait, John. Naïf, crédule, une vraie marionnette. Les ordres, rien que les ordres. Oui, chef. Non, chef. Hey, toi aussi tu crois au système quand ça t'arrange. Tu t'es marié à l'église avec une garde d'honneur militaire. Il a même pris ton oncle, je sache. C'était son idée. Mais toi aussi, t'as agi comme un bon petit soldat. Mais qu'est-ce que t'en sais? T'étais même pas là. Mais merci pour le cadeau. Oh, oh, attends. T'as même pas envoyé une carte de vœux. Elle est pas faite pour toi, Robert. Et c'est toi qui dis ça. Oh, rappelle-moi combien de temps ça a duré ta plus longue relation amoureuse? 6 mois? T'en as pas marre d'être un connard moralisateur et abus de sa personne? Approche finale, les gars. Ouais. Ouais. Essayez de pas vous entretuer. Je voudrais pas avoir à annoncer ça à votre mère. Mais pas n'importe quoi! Et toi, cesse d'être un robot. Je suis sérieux, là. Elle me fait flipper. Ouais, elle fout les jetons à tout le monde. Et c'est comme ça qu'elle a élevé ses imbéciles de fils. Enfin, l'un d'eux, au moins. Ouais, c'est pas difficile de savoir lequel. Ça suffit, tous les deux. Détruisez les armes biologiques et tirez-vous de là. Vous entrez et vous ressortez, un point, c'est tout. On est revenu en mode guerre froide, là. Alors on sait pas quelle saloperie de produits toxiques sont stockés là. Ok, 3, 2, 1, go! Go!
Ok, c'est parti. Bon, bah, le jeu a l'air, au premier abord, un peu plus beau que la vidéo qu'on vient de voir. C'était vraiment pas top. Voilà. Ok, bon. Ben voilà. C'est joli. Allô, allô, Franck. Vous me recevez? À vous. 5 sur 5. Écoutez, soldat. L'état-major veut que vous vous infiltriez dans ce complexe militaire abandonné et que vous détruisiez son stock d'armes biologiques. Et gardez votre sang-froid. Terminé. Terminé. Après toi, Rob. Oh la vache, le jeu m'avait fait un peu peur avec la première cinématique quand j'ai vu les expressions faciales et surtout le doublage français qui est affreux! Tu devrais avoir une meilleure vue de là-haut. Compris. Waouh, le mode reconnaissance. Une idée. Un site d'essai, peut-être. Bon, allons jeter un œil. Bordel, j'y vois que dalle. On est trop loin. Faudrait trouver un meilleur endroit. Pourquoi pas là-bas? Il y a un pic à droite du dôme, là. Tu le vois? Ouais, je le vois, mais j'ai un doute sur l'angle de tir, quand même. Allons voir ça de plus près. Attention, les rochers peuvent être glissants. Après toi. Je passe toujours en premier. Parce que c'est toi qui as eu... T'as vu ça? Du gâteau. Beau travail. Bon, je suis de l'autre côté. Moi aussi. Allez, vite! Le temps nous est compté. Merde, c'est une vraie ville fantôme ici. C'est peut-être trop calme pour toi. Dans notre métier, calme ne rime pas avec sécurité. Ah donc on a qu'un sniper, oui. Enfin, ça paraît logique. Ouais. Pour ça, c'est toi qui as les meilleures munitions. Prends les balles explosives. Ouais, je sais. Relax. Ça a l'air solide. Fais gaffe quand même. Oh, ta gueule. Change de munitions, prends des normales. Elles font moins de bruit. Ouais, ouais, je sais. Bon, on va bientôt y arriver. Ça, appuyez sur rond pour vous accroupir. Ouais. Ouais, il y en a qui se rapprochent. Plante-toi, laisse-les passer. Bon, ah ok, il m'attend pas. Quel genre ? Chut ! Regarde ! Des loups ! Qu'est-ce que je t'avais dit ? Tu me crois maintenant ? Pour le coup, oui. Ils ont l'air de mâchouiller quelque chose. Pas la peine de les flinguer, sauf en cas de nécessité absolue. Coupons par les buissons. Ok, go. Planque-toi. Ah, c'est extrêmement désagréable ce bruit. En fait, ça émet un sifflement là quand on va se faire repérer. C'est bon, on est en sécurité. Suis-moi. J'ai trouvé des empreintes. Elles ont l'air récentes. Ceux qui les ont laissées là ne doivent pas être très loin. Et c'est tout? Je
Je te rappelle que c'est toi le traqueur de la famille. Des semelles de bottes militaires, deux hommes, des soldats. L'armée régulière, des mercenaires, des éclaireurs. D'après la forme des pas, ils ont l'air disciplinés. Et vu leur profondeur, je dirais qu'ils portaient quelque chose de lourd. Des armes, tu veux dire? Ouais, y a des chances. À mon avis, il faut s'attendre au pire. Merde. Bon, il est temps de se remettre au boulot. Garde ton sang-froid. Reste cool. Oh oh oh. J'ai un arrivé à voir Robert. Deux mercenaires là-bas. On va les prendre par surprise. Je neutralise celui qui est près du bord et tu te charges de l'autre à côté. On y va. Hé, hey, il a dit qu'il s'occupe. Mais enfin! Il y en aura d'autres. Fais gaffe. Ouais, what the fuck? Quel carnage. Quel synchro! Alors prends-le! Tiens, voilà le drone. C'est le moment de s'en servir. Tu sais utiliser ce genre d'engin, n'est-ce pas? Ouais, je devrais m'en sortir. Ok, ça c'est comme dans Ghost Recon. D'abord, tu dois marquer tous les hostiles. Cible confirmée. C'est bon, ils sont tous marqués. Ramène le drone maintenant. C'est une position de soutien idéale. C'est bon, je sais ce que j'ai à faire. Rappelle-toi, John, silence. Il faut les neutraliser un par un avant qu'ils réalisent qu'on est là. On se concentre, mon vieux. Première cible, sur le toit, à 270 mètres. Régler l'élévation à 250. Ah, ok. À vérifier la distance de la cible en haut à gauche de l'écran. Utiliser pour régler l'élévation. Regarde ça, frangin. Tango, repéré sur le toit, à 180 mètres. Ah, on bouge plus. Oh, allez. Ça, c'est bon. Tango neutralisé. Élimination confirmée. Troisième cible, patrouille, à 160 mètres près du ruisseau. Attends le bon moment. Allez, montrez-vous. Les arbres les couvrent. C'est tordu. Attends encore, il se disperse. Tire. Pah. Cible neutralisée. Confirmé. La deuxième, à 160 mètres. Mort. Il se relèvera pas. Cinquième cible,
à 200 mètres. Attends. Véhicule en approche. Sixième cible localisée. Concentre-toi bien. Tu pourras tirer qu'une seule balle, alors fais que ce soit la bonne. Aïe. Ils vont bien s'aligner. Allez voir. Je l'ai eu. Reste concentré. Deux morts confirmés. Je les tire. Descendons la corde. Ok, cool. Ah non, y a pas. Il me semblait bien qu'il n'y avait pas qu'un sniper, je trouvais ça bizarre. Ok. Pareil. Suis-moi, frangin. Au fait, elle est où ta femme en ce moment? Irak? Turquie? Mila? Au Congo. Elle fait un reportage sur un seigneur de guerre local. Ah ouais, c'est vrai. Les forces spéciales voulaient bombarder ce fils de pute. T'es inquiet? Non, ça va, c'est ni derrière. Elle a l'air fragile, mais faut pacifier. Véhicule en approche. J'ai le chauffeur en visuel. Non, laisse-le-moi. Attends, il sait peut-être quelque chose. Je suis sur place. Oui, j'ai la cargaison. Je vous la porte dans un instant. Non, on s'est pas vu. Il était censé m'attendre à l'intérieur. Ok, je vais jeter un œil. Un faux geste était mort. Vous êtes combien ? Oula, oula, petit bug d'affichage. À l'intérieur. Bon. La routine, quoi. Ça me rappelle l'époque de la Navy. Reste concentré, Rob. Bon, 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 d'accord. On entre. Compris. Cet endroit a servi de site d'essai pour des armes biologiques. Faites-moi sauter tout le joyau, bordel. Compris. Pigé. Intrus détecté. Saloperie de caméra. Ils savent qu'on est ici. Plus la peine de se cacher maintenant. Bien, allons faire notre boulot. Oui. Regarde ça, frangin. Allez, fais voir ce que t'as dans le ventre. Et toi, John, t'avais pas une fille en Afghanistan? Ouais, alors? Ça s'appelait pas Léa? Lydia. Alors pourquoi vous n'avez pas... Laisse tomber, Rob. Ok, j'ai rien dit. Je suis pas là. Faire-toi des caméras de surveillance. On va les baiser à leur propre jeu. Maintenant, marque tous les hostiles. Ils sont tous marqués, on y va. Hey! Je suppose qu'ils sont tous marqués, j'en ai vu que 3. Hey, attends-moi! Bien. Ça, c'est l'entrée de la décharge. Notre cible ne devrait plus être bien loin. On bouge. Ennemi en visuel.
Et bim! Silencieux épuisé, cool. Va falloir que j'en retrouve un. On plante les charges ici. Tu te rappelles comment on fait, frangin? Je garde la porte en joue. Dépêche-toi, tiens! Allez, John, l'hélico est là. Putain, qu'est-ce que... Lâchez vos armes, tout de suite! Ouch! Vous savez, monsieur Knowles, nous aussi nous avons de la chance. Oh, boyol! Oh là, qu'est-ce que tu fais? Deux. Oh! Une prochaine fois, monsieur Knowles, ne le tuez pas. Mais aïe! Bon, ben voilà, c'était le prologue apparemment. Bon, et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de cette première vidéo sur Sniper Ghost Warrior 3. J'espère que ça vous aura plu, ce n'était que le prologue bien sûr. On plongera dans une seconde vidéo où on va vous faire découvrir la première mission du jeu. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, comme d'habitude, nous commenter en disant ce que vous pensez de Sniper Ghost Warrior. Est-ce que c'est votre type de jeu? Est-ce que vous êtes plutôt Sniper Elite ou Sniper Ghost Warrior? Pourquoi? Parce que après tout, c'est le même genre de jeu. Qu'est-ce qui fait de ce jeu une franchise unique? En tout cas, nous, jusque-là, bah, on a trouvé ça super chouette. C'est juste que, voilà, dommage pour les doublages français qui sont pas au top et les expressions faciales, là, surtout dans la vidéo d'intro qui ont fait un peu peur, à vrai dire. Mais voilà, les environnements sont superbes. Le gameplay est vraiment top. Donc, on a hâte d'en découdre avec une prochaine vidéo. Voilà, allez, à très bientôt. Ciao!